université à l'université de Genève. Avant, il était ici à l'université Grenoble-Alpes. Et il a développé notamment le Baby Lab, donc il s'intéressait beaucoup au développement du tout jeune enfant et puis plus récemment au développement de l'enfant à l'école et notamment l'école maternelle. Et donc, il a développé un programme sur les compétences émotionnelles dont il vous parlera plus spécifiquement par la suite. Il a écrit de nombreux ouvrages sur le développement de l'enfant, sur les apprentissages, notamment à travers les sens, à travers le toucher. Donc, je vous encourage vraiment à lire ces livres, ils sont très accessibles et très complet. Donc voilà, je vais céder la parole à Edouard pour cette conférence. Alors, merci beaucoup Rebecca, merci pour cette invitation, merci pour votre présence. Donc là, je vais vous raconter un panel de recherche sur les compétences émotionnelles et puis vous raconter pourquoi et comment on travaille ça avec des collègues qui sont dans les écoles ou dans les crèches. Et puis voilà. Et après, mais ça c'est 10 juin, on travaillera plus concrètement sur les programmes où est-ce qu'on a établi, mais là ça sera du coup sur ceux qui ont la chance de faire le DU après. Voilà. Alors, première chose qu'on va étudier, c'est est-ce que finalement reconnaître des expressions, c'est issu, hein, c'est moderne. Excusez-moi, bouger. Allez-y. Et donc, on va commencer par un petit exercice pour voir si cette compétence à discriminer des expressions faciales, elle est si évidente que ça. Alors, je vous invite à prendre un papier crayon ou un clavier, ou enfin, ça dépend de vos usages ou votre mémoire. Et puis, je vais vous proposer un petit test où on a demandé à 8 personnes d'exprimer la même émotion. Donc, vous avez 8 expressions faciales. Et puis, vous allez, vous, sans rien dire, vous marquez sur votre papier qu'est-ce que c'est comme expression faciale que vous êtes capable d'identifier. Et puis, il y en a 6. Et puis, progressivement, on va faire votre score. Et puis, j'invite les personnes qui sont loin à faire la même chose, jouer le jeu. Et puis, on va voir si c'est si facile que ça. Alors, premier exercice, c'est parti. Celui-là. Donc, vous marquez sur un petit coin de votre table. Qu'est-ce que c'est ? La deuxième, on va vite, hein. On est efficace. Voilà. Deuxième, troisième émotion. Moi aussi, ça bouge. En fait, ça marche tout seul. Voilà, alors on va corriger. D'accord ? Donc je vous donne la réponse. Vous mettez donc un point si c'est correct, et voilà, et puis vous aurez votre score sur 6. Vous voyez, on est entre nous, hein, c'est pas un vrai test, mais c'est juste pour vous ayez une idée de. Voilà, j'ai des catégories, voilà, des expressions faciales, on est des experts des relations humaines. Là, maintenant, voilà, qu'est-ce que cette personne-là veut nous envoyer comme signal ? La première, c'était la joie. Deuxième, tristesse. Troisième, dégoût. Quatrième, colère. Cinquième, peur. Sixième, surprise. Okay. Alors, quel est votre score ? Qui a 6 sur 6 ? Alors, vous voyez, on est dans la salle, par exemple, pour ceux qui sont loin. Donc, vous pouvez jouer aussi, ceux qui participent de loin. Mais globalement, dans la salle, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, voilà, une vingtaine de personnes. Et 6 sur 6, il y a 5, 6 personnes. Qui 6, 6, 5, 6, 4, 6. Voilà, donc là, par exemple, sur 20 personnes, il n'y a pas 100%. Vous voyez, c'est vraiment des expressions, enfin, vraiment des expressions émotionnelles, vraiment tous les jours. 8 personnes ordinaires qui racontent ça, voilà. Et puis, vous voyez, ce n'est pas si aisé que ça. Donc, 100%, non. Il y a pas mal de personnes qui sont autour de 5 sur 6 ou 4 sur 6. Okay ? Normalement, tout le monde a au moins 3. Vous êtes d'accord ? Enfin, alors, je ne vous demande pas de lever la main si ce n'est pas le cas. Mais globalement, tout le monde a à peu près 3. La majorité, c'est 5-6. Un petit peu de personnes ont 6 sur 6.
Donc, vous voyez, nous, on est adultes, experts. On a vu des millions de visages depuis qu'on est capable de voir. Et là, on se dit, alors, est-ce que c'est si facile que ça? Non. Donc, on se dit, alors, pour les enfants, est-ce que c'est encore plus dur ou pas? Et pourquoi c'est si difficile de catégoriser comme ça, d'identifier des catégories d'émotions pourtant élémentaires qui sont de la vie de tous les jours? Eh bien, donc, du coup, vous voyez que cette reconnaissance des expressions faciales, c'est quelque chose qui n'est pas si aisé que ça, qui va prendre du temps. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est assez génial, parce qu'on a un visage quand même. On a tous la même structure de visage sur Terre. Il y a quand même plusieurs milliards de visages. Donc, on a tous la même structure, il n'y en a pas un pareil, par les jumeaux, globalement. Et on a tous des micro-spécificités. Et puis, quand on veut exprimer une émotion, eh bien, on a une configuration générale qu'on produit. Et cette configuration générale, eh bien, elle a des points communs pour toutes les émotions. Et puis, il faut aller détecter ces points communs. Et là, par exemple, je vous ai mis des photos. Alors, vraiment, au hasard, on prend des photos de personnes de notre environnement. Et puis, l'enfant ou l'adulte, il va aller devoir repérer qu'est-ce qu'il y a de commun dans toutes ces images pour dire que c'est la joie. Alors, typiquement, il va falloir qu'il soit capable de se fier à plusieurs indices qui sont combinés entre eux, qui fait que là, à ce moment-là, j'ai de bonnes chances de dire là, c'est la joie qui est exprimée. Typiquement, ça va être la joue qui remonte, les lèvres qui sont tirées vers les oreilles. Mais ce n'est pas tout le temps. Mais globalement, on peut utiliser ce type d'indice. La peur, vous allez avoir des fois la bouche qui s'entrouvre un petit peu. Donc, on voit les dents du bas, les sourcils qui se lèvent. Vous voyez, tout un tas d'indices. La tristesse, il va avoir des paupières qui peuvent s'abaisser, le coin des lèvres. On va avoir la colère, les sourcils, la ride du lion, des choses comme ça. Et le dégoût, on va avoir le nez qui se plisse. Et voyez, tout un tas de petits indicateurs de visage qui fait qu'à un moment donné, l'enfant, dès la naissance, le bébé, il va falloir qu'il apprenne. Il est attiré par le visage. Et il va falloir que dans ce visage, il apprenne à repérer certains éléments de ce visage qui, quand ils sont combinés ensemble, font que là, j'ai une bonne chance de dire que c'est la joie, la colère, la tristesse. Donc, vous voyez, ce n'est pas si évident que ça, en fait. Même si, globalement, ça, c'est une situation de laboratoire. Dans la vraie vie, c'est jamais comme ça. Ça bouge. Okay. Il y a du son, je parle. Il y a la posture. Et il y a tout un tas d'autres indices. Là, c'est des situations de laboratoire épurées. C'est juste pour vous signaler que cette reconnaissance visuelle dont on pense qu'elle est si facile, en fait, ce n'est pas du tout si aisé que ça, et d'autant plus que si on est jeune. Okay. Donc voilà, donc vraiment, on se dit, alors c'est important de travailler là-dessus, parce que justement, même cette première phase qui est simplement de reconnaître l'expression émotionnelle, donc on ne peut pas faire plus bas de gamme. Alors, qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer? Et bien déjà ça, ce n'est pas évident. Donc, du coup, il y a tout un tas de chercheurs qui étudient depuis des années et des années le concept, vous allez voir, de compétences émotionnelles. Et dans ces compétences émotionnelles, il y aura cette fameuse compétence de base qui consiste déjà à reconnaître l'émotion exprimée par avec qui on parle, quoi, son enfant ou sa maîtresse son éducatrice. Et l'idée, c'est de se dire, comment il fait, comment ça se développe et comment on peut entraîner cette affaire-là. Alors, il y a pourquoi et comment. Vous voyez un peu les questions. Alors, je ne vais pas… donc, là, dans le sujet de cette case de Feel Good, je cherche le nom, je vais vous donner plusieurs arguments de pourquoi et comment c'est important de travailler là-dessus. Premier type d'arguments qui sont souvent utilisés par les chercheurs, c'est quand les chercheurs font ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire… Alors ça, c'est un énorme travail. C'est vraiment que ça prend beaucoup de temps. Les chercheurs, ils prennent l'ensemble de recherches qui ont été publiées dans des articles, dans des revues scientifiques. Et puis, ils combinent tout ça. Il y a des méthodologies, il y a des revues qui sont entièrement dédiées à ça. Puis, ils essayent de voir, à la fin, quand j'ai combiné 3000, 10 000 recherches, je rajoute tout ça, je fais mouliner. À la fin, est-ce que je peux raisonnablement dire… Est-ce qu'il y a un lien, typiquement, entre, voyez le titre, entre ce qu'ils appellent l'intelligence émotionnelle et puis les performances académiques, c'est-à-dire la réussite scolaire en général? Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui est… Voilà.
Donc ça, typiquement, ces méta-analyses, c'est un bon moyen quand vous êtes professionnel. Vous voyez que vous observez les choses qui se disent dans les journaux. Avant de conclure ou de raconter ça aux parents, vous voyez, dites que dit la méta-analyse. Parce que ça, la méta-analyse, c'est plutôt, ça vous donne quand même des bases solides. Ce n'est pas une recherche qui montre un jour qu'on a un effet, mais c'est des centaines de recherches qui disent, bon, ben là, quand même, il y a un lien entre cette intelligence émotionnelle, alors c'est défini dans l'article, hein, c'est vraiment, alors c'est publié dans une revue qui s'appelle Psychological Bulletin, c'est une revue qui est dédiée à ça. Donc, c'est des gens qui font des synthèses sur des domaines. Donc, ça, c'est une revue récente, c'est sorti en 2020, vous voyez, et eux, ils compilent tout ce qu'on a dans la littérature, publié dans des articles scientifiques avec une expertise des pairs, hein, ce n'est pas les revues de magazines, c'est des articles scientifiques. Donc, si vous avez un truc à lire, bah, c'est ça, typiquement. Voilà. Puis là, alors, c'est assez technique, mais ça vous dit quand même, voilà, il existe un lien entre, d'une part, cette intelligence émotionnelle, et puis, d'autre part, ces réussites scolaires. Et voilà. Donc, ça, c'est le premier fait. Parce que, du coup, alors, attention, alors, je vais vous présenter toutes les limites de cette affaire-là. Ouais. Il existe un lien. Ça veut dire que c'est sérieux. Ce n'est pas un épiphénomène, ce n'est pas un truc qui a été inventé juste pour faire plaisir. Voilà, il y a une taille d'effet. Alors, les chercheurs, ils compilent tout ça et ils se limitent à quelque chose qu'ils disent dans la littérature, la plupart des recherches, c'est de 6 ans à l'université. Donc, de 6 ans à l'université, il semble qu'il y a un lien significatif. Ils disent que quand vous combinez toute cette affaire-là, qu'est-ce qui prédit le mieux la réussite scolaire, la réussite à l'école, tout ça? Ils disent, un, c'est le QI. Deux, il y a le deuxième facteur, c'est compétences émotionnelles, ce qu'ils appellent l'intelligence émotionnelle, parce qu'eux, ils sont allés sur l'ensemble du concept. Et puis, trois, les traits de la personnalité. Vous voyez, dans les grands facteurs qui expliquent. Mais le premier qui explique, c'est quand même le QI qui est le prédicteur de la réussite scolaire. Mais la compétence, les compétences émotionnelles prédisent significativement la réussite scolaire. C'est-à-dire qu'il y a un lien très fort. C'est-à-dire que les élèves, les enfants, des 6 ans jusqu'aux adultes, ceux qui sont très forts, vous allez voir, à identifier les émotions, comprendre, réguler, c'est ceux, en général, qui réussissent le mieux à l'école. Ça veut dire ça. Alors, les auteurs, vous voyez, je vous ai mis en guillemets ce qu'ils racontent, comme pourquoi... Vous voyez, alors on se dit, bon, ben, c'est bien, c'est sympa, vous avez trouvé une corrélation, donc un lien, une association entre ces deux concepts. Pourquoi? Et puis les auteurs, ils disent, ben, on va proposer plusieurs mécanismes. Ils disent, par exemple, un des mécanismes, c'est qu'il y a un chevauchement entre les contenus, d'une part académique et d'autre part émotionnel. Par exemple, quand vous lisez des romans, vous voyez, si vous mesurez les compétences émotionnelles, les compétences académiques par analyse d'un roman, d'un texte littéraire à l'université. Du coup, peut-être que vous faites appel à certains types de vocabulaire, à certains types de raisonnement, des choses comme ça. Ils disent, bah, alors peut-être qu'il y a du contenu qui est commun aux deux entre les compétences émotionnelles et les compétences académiques, simplement. Donc, ils font des prédictions que ces compétences émotionnelles, elles diffèrent selon si c'est des contenus scientifiques versus contenus sciences sociales et littéraires. Deuxième mécanisme, ils disent, très important, pourquoi les gens arriveraient mieux à l'école quand ils ont de bonnes compétences, ils gèrent mieux leur capacité à réguler ce qui arrive au quotidien. Vous voyez, face à l'échec, face à une erreur, face au « je suis dans la cour de récréation, j'ai un conflit, puis je reviens en classe pour pas me laisser contaminer par tout ce qui m'est arrivé, il faut que je sois capable de réguler mon émotion pour tout de suite réaffecter mon attention à ce que dit la maîtresse. » Si je ne suis pas capable de réguler mes émotions très rapidement, eh ben je suis totalement envahi parce que je me suis engueulé avec mon conjoint, je me suis engueulé pendant la récréation. Du coup, je pense qu'à ça, je rumine. Et du coup, je ne peux pas écouter ce qu'on me raconte à l'école. Donc, si je suis incapable de faire ça, ben, du coup, je perds du temps. Donc, plus tard, ça impacte mes résultats scolaires. Et puis, ils disent, c'est très important, compétences émotionnelles, c'est aussi des gens... donc de 6 ans, ils savent aller demander de l'aide, par exemple. Ils savent s'adresser à la maîtresse au bon moment. Là, ils ont bien compris que ce n'était pas le moment de demander une aide, mais là, j'ai bien compris que c'était le moment d'aller demander une aide. Et ça, dans les classes ou dans les crèches, il y a des petits qui savent parfaitement
construire de bonnes relations sociales, dire je t'aide, tu m'aides, est-ce que tu peux m'aider, demander, vous voyez, pas rester dans son coin à vouloir tout faire tout seul. Et puis du coup, ils peuvent dépasser l'obstacle qui est rencontré, aller demander à tel moment comment je pourrais faire pour réussir, ce qu'ose demander d'aller, pourquoi j'ai eu une mauvaise note, comment je fais pour essayer de dépasser les problèmes que j'ai rencontrés, voilà, les choses comme ça. Vous voyez, donc ça, les auteurs, ils proposent un peu trois types d'arguments. L'idée, c'est que, vous voyez, plus je serai capable de développer de bonnes relations avec mes pairs et mon environnement, les profs, les éducateurs, les parents, mieux, du coup, je vais gérer ces relations, plus je vais, du coup, étayer ma relation, faire en sorte que la régulation, quand j'ai un problème, soit efficace. Et donc, du coup, pouvoir disposer de toutes ces ressources attentionnelles qui sont nécessaires à mes apprentissages. Vous voyez, voilà. Donc, ça, c'est les arguments qui sont proposés par les auteurs de ce très beau travail de méta-analyse. Mais tout ça, ils ont analysé des milliers de recherches. Ils disent bien, attention, on prédit statistiquement les résultats, mais ce n'est que des corrélations. Les corrélations, ça veut dire que c'est celui qui a une bonne note en compétence, celui qui arrive bien à reconnaître les émotions, on lui fait un score sur 20, et ben c'est celui qui aura une bonne note en mathématiques ou en français. On ne sait pas qui est la cause de quoi. Est-ce que c'est parce que je suis très fort à l'école que du coup j'arrive bien à réguler mes émotions et que finalement je me débrouille bien, ou c'est parce que je régule bien mes émotions, j'identifie bien les émotions que du coup je suis bon à l'école. Vous voyez le lien ? Donc c'est un lien corrélationnel. Et ils disent bien les auteurs, attention, on ne peut pas préjuger de la nature du lien qu'il y a entre les deux. On n'a pas assez d'arguments. Du coup, si on veut aller sur questionner cette nature du lien, il faut utiliser un deuxième argument, qui est, alors, juste pour aller dans le sens, ça, vous voyez, ça, c'était un argument 1. Méta-analyse, je combine les données, je montre qu'il y a un lien corrélation de 6 ans à l'université. Argument 2, on a étendu, ça, c'est une recherche qui vient de sortir, avec des collègues de l'Académie de Savoie, des enseignants, un groupe d'enseignants, on a pu tester 700 enfants en maternelle, et on confirme ces liens, mais dès la maternelle, c'est-à-dire entre, donc c'est des enfants, alors c'est un effet Covid, hein, d'accord ? Je vous expliquerai à la fin pourquoi, et c'était juste avant que le Covid arrive, donc on a pu pré-tester 700 enfants qui étaient dans un programme d'entraînement qu'on n'a pas pu faire, donc du coup on s'est limité à cet article-là, mais du coup il y avait 700 enfants à qui on a demandé des épreuves émotionnelles, des épreuves de mathématiques, des épreuves de locomotion et des épreuves de comportement prosociaux, enfin des observations prosociales. Et puis, chaque enfant passait toutes ces épreuves et puis on a mesuré les liens qu'il y avait entre ces différentes variables. Et puis, on a trouvé, comme McCain me disait à l'époque, donc ça sortait au même moment, donc c'était vraiment pile poil, parce que vraiment, donc eux, ils disaient de 6 ans à l'université, il y a un lien significatif et nous, on retrouve ce lien significatif sur des enfants encore plus jeunes. Le PowerPoint sera disponible, vous pouvez cliquer dessus et il y a toutes les données, les recherches, tout ça qui sont là. Et là, on montre que il y a un seul lien entre cette connaissance émotionnelle testée chez les enfants de 3 à 6 ans qui prédisent les comportements. Alors, nous, on a choisi des compétences numériques, on n'a pas voulu faire la lecture. On voulait limiter les facteurs environnement socio-économiques. On voulait faire sur des compétences numériques pour pas qu'il y ait trop, vous voyez, sur le vocabulaire, des choses comme ça. Parce qu'on sait que les parents... La classe sociale, tout ça, c'est quelque chose qui influence beaucoup ce niveau de langage. Donc, on veut essayer de limiter. Ça joue aussi sur les maths, mais un petit peu moins. Et puis, ce qu'on a observé de nouveau, c'est qu'il y a justement les comportements sociaux, prosociaux, et puis les comportements aussi de locomotion. C'était ça qui était aussi innovant. Donc, vous voyez, on a pu faire, au final, juste avant que tout ferme, grâce à une recherche collaborative avec une conseillère pédagogique et 33 enseignantes et enseignants qui étaient répartis sur tout le territoire de la Savoie, volontaire. Au final, on a pu récolter, vous voyez, 200 enfants de petite section, moyenne section, grande section. C'est un découpage juste pour notre culture, mais sachez que selon les écoles, il y a beaucoup, tout est à triple niveau, double niveau, il n'y a quasiment pas de classe à un seul niveau. Donc, c'est tout mélangé, souvent, dans les écoles rurales. Et puis, vous voyez, alors, pour mesurer, juste pour vous ayez une idée de comment on fait pour mesurer ces compétences émotionnelles, mais à travers juste une petite dimension des compétences émotionnelles, c'est ce qu'on a appelé les
nous on appelait ça la connaissance des émotions. Vous voyez, on fait des petites épreuves comme ça. On donne, regarde cette image, donne-moi l'image de l'enfant content. Et puis l'enfant, il a 4 images. Et puis on est en face de lui, et puis il nous donne l'image s'il a compris le concept de content. Vous voyez, donc voilà. Après, truc extrêmement classique. Donc identification des émotions, ça c'est la première épreuve. Deuxième épreuve, on voulait étudier un cran supplémentaire qui est la compréhension des causes d'une émotion. Vous voyez, donc ça c'est épreuve 1, c'est vraiment le truc de base que je vous ai proposé. Épreuve 2, c'est maintenant on essaie de comprendre les causes. Donc on se dit, un cadeau, ce garçon vient de recevoir un cadeau. Comment se sent ce garçon quand il reçoit ce cadeau d'anniversaire? C'est extrêmement classique. Donc montre-moi l'image. Donc là, l'enfant, il devait montrer l'image, parce que c'est des 3-5 ans. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? Et bien, du coup, on notait ce qu'il disait comme concept ou quel mot il utilisait. Donc, on pouvait accéder à son vocabulaire. Donc, on a fait ça sur pointage des dominations sur 700 enfants en novembre. Vous voyez, ça, c'était normalement un pré-test avant qu'ils partent en entraînement. Et puis après, tout s'est arrêté. Voilà. Compétences numériques. Là, du coup, on a travaillé avec les enseignants pour que ça soit des épreuves qui correspondent à ce qui est dans leur curriculum scolaire, donc en maternelle, hein, attention. Donc, on a fait des épreuves de collection, des notions de rang, des suites algorithmiques. Après, on leur avait demandé, ça, c'était 2 innovations. Donc, vous voyez, les 2 premières épreuves, c'était assez classique. Et puis, les 3e et 4e épreuves, ça, c'était un peu plus nouveau. C'était plus compliqué. On a essayé d'essayer de proposer un parcours sportif. L'idée, c'était de se dire que quand même en maternelle, le mouvement, l'action, c'était quelque chose de très important et que c'était important d'aller observer ils arrivaient à interagir avec leurs collègues quand ils jouent, quand ils font des passages sur un parcours motricité. Donc, on a mis au point ce parcours. Alors, c'était très compliqué parce qu'il fallait que chacun puisse le reproduire dans chaque école avec le même, vous voyez, le matériel. Donc, vous voyez un peu l'ampleur du défi. Voilà. Et puis, il y avait des grilles d'observation. Tous les outils sont accessibles dans la revue. Et vous cliquez dessus, tout était en accès libre, on a tout mis à disposition. Voilà. Et puis, on a trouvé, vous voyez, analyse corrélationnelle. Et puis, on a, Donc, ça confirme. Donc, là, c'est qu'une seule étude. Hein. La méta-analyse, c'est des milliers d'études. Donc, si des collègues refaisaient la même chose, s'ils trouvent comme pareil que nous, vraiment, ça va dans le sens que dès 3 ans maintenant, il y a un lien entre toutes ces compétences avec plusieurs mécanismes. Alors, nous, on a fait une hypothèse sur celui qui ont une meilleure connaissance des émotions, probablement, c'est des gens qui ont plus de facilité pour réguler leurs propres émotions. Après, on a dit, chevauchement de compétences numériques et compréhension des émotions, vous voyez, comprendre les notions de cause à effet, et puis tout ce qui est contrôle inhibiteur, on a proposé plusieurs mécanismes, mais c'est purement des hypothèses sur pourquoi essayer de comprendre quel était ce lien. Après, vous voyez, on est vraiment encore que sur de la corrélation, donc on ne peut pas trop dire qui est responsable de quoi. Si on veut passer maintenant à un deuxième cran, il faut aller chercher les études qu'on appelle longitudinales. Alors ça, c'est des études aussi très dures à faire, puisque vous prenez, vous voyez, nous, dans la première étude, les enfants, on les voyait une fois, et puis les 700, on leur a fait passer les épreuves, et puis c'est fini. Là, les études longitudinales, c'est autre chose, c'est avec les gens. Par exemple, ici, dans cette étude qui est connue, ils prennent les enfants, ils les testent à 5 ans, et puis ils les revoient 3 ans après. Donc là, évidemment, l'échantillon, il est 70, 80 enfants. Mais c'est très intéressant parce que là, on voit, du coup, l'évolution des compétences des enfants au fur et à mesure de leur développement. Et on voit si on mesure quelque chose à 5 ans, est-ce que ça permet d'expliquer certains résultats à 6, 7, 8, 9 ans. Mais vous voyez la difficulté de ce genre d'études, parce que, par exemple, ça dépasse le temps d'une thèse. Donc, quand vous vous lancez dans des études longitudinales, c'est très rare d'abord, vous verrez dans la littérature scientifique, quasiment personne n'en fait, parce que c'est très coûteux, parce qu'au pire, vous allez faire un article. Et puis le doctorant, il aura au final, au bout de 3-4 ans, il aura un seul article, et même à peine. Donc, ça sera difficile après. Donc là, les personnes, c'était intéressant. Ils ont fait 5 ans et 9 ans, donc tranche d'âge, vous voyez, maternelle. Est-ce que ça explique des comportements plus tard à l'école primaire? Donc, ils ont utilisé, ils appellent ça la reconnaissance des émotions. Exactement, nous, on a pris, vous voyez, la connaissance des émotions, la emotion knowledge. On a fait exactement comme eux, on a pris leurs mêmes épreuves.
Eux, ils ont mesuré plutôt comme compétence académique le français, enfin l'anglais du coup. Et puis, ils ont fait des échelles de comportement social, savoir s'ils avaient des troubles du comportement externe ou pas. Et puis, comment, avec des grilles d'observation faites par les enseignants. Et un truc vraiment très intéressant, c'est qu'ils trouvent une corrélation et une prédiction. Et typiquement, par exemple, les enfants qui ont une bonne connaissance des émotions à 5 ans, à 9 ans, c'est ceux qui réussissent le mieux dans les performances scolaires qu'ils ont mesurées en langage et qui ont moins de troubles, enfin, qui ont moins de difficultés relationnelles. Donc, vous voyez, ça, c'est un deuxième argument. C'est-à-dire qu'il y a, une prédiction à partir de 5 ans statistique de ce qu'on peut faire à 8-9 ans. Donc là, on est un cran supplémentaire. On se dit, tiens, il y a vraiment quelque chose qui se tient sur les comportements à la fois sociaux, académique et puis nos connaissances des émotions. Il y a quelque chose qui, quand même, là, on a quand même un argument de plus pour dire qu'il y a ce lien et, en tout cas, on a des preuves scientifiques là-dessus et des corrélations importantes. Après, là, il faut dire, c'est vraiment ce qu'ils appelaient des children à risque. Donc, c'était dans des quartiers défavorisés. Voilà, après, il y avait un gros contrôle, mais eux, leur cible, c'était est-ce que c'est un prédicteur ? Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller travailler sur. Donc, ça serait en France. REP, enfin ZEP, comment on voit, voilà, des trucs comme ça. Voilà. Donc, en fait, quand même, donc il y a un lien significatif. Ça montre vraiment qu'il a l'air d'exister. Il a l'air d'être prédictif. Okay. Ça peut démarrer dès le plus jeune âge. Il est lié à d'autres compétences académiques, comme par exemple l'activité de locomotrice ou des comportements prosociaux, vous voyez, donc ça fait partie de ces compétences plus larges, alors qu'après, on va pouvoir, d'autres chercheurs vont utiliser des compétences un peu socio-émotionnelles, psychosociales, et puis, vous voyez qu'il y a du coup, il y a tout un tas de compétences qui vont rentrer en jeu dans cette fameuse réussite scolaire et puis de relation avec leur père pendant l'école. Et voilà, donc c'est vraiment, ça va dans ce consensus que ces capacités sociales, socio-émotionnelles, ça participe à la réussite scolaire et que ce n'est pas une lubie de chercheurs ou de en disant, mais vous voyez, l'idée, c'est l'idée que l'école, c'est que le truc académique français, maths et qu'il n'y a rien d'autre. C'est plus compliqué que ça, puisqu'on montre qu'en travaillant sur d'autres compétences, émotionnelles, locomotrices, sociales, ça impacte la réussite scolaire. Donc là, vous verrez, je vous ai mis un lien sur un édito où je défends du coup que toutes ces compétences autres, transversales, psychosociales, enfin, vous pourrez appeler ça la façon dont vous voulez, mais en tout cas, ça joue et ça contribue au développement de la réussite scolaire en général. Voilà. Donc, ce qu'on appelle les apprentissages fondamentaux, il faudra même se poser la question de est-ce que c'est vraiment que les maths, le français, voilà, et c'est plus compliqué que ça. Vous voyez, donc, il y a tout un tas de recherches qui vont dans ce sens-là. Quatrième argument, alors là, c'est l'argument qui monte encore en puissance pour essayer vraiment d'étudier ce lien causal. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, si j'entraîne ces compétences émotionnelles, j'ai un effet, est-ce que je peux les entraîner déjà ? Et puis, est-ce que du coup, quels effets ça a sur l'ensemble des compétences des enfants ? Et donc là, vous êtes obligé d'aller voir ce qu'on appelle les recherches interventionnelles. C'est-à-dire que là, vous êtes obligé d'aller chercher directement des recherches qui vont tester là en classe, alors suivant les niveaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'entraîner ces compétences-là et quels effets ça a. Alors pareil, quand vous commencez comme ça un sujet, le mieux c'est d'aller voir les méta-analyses que les gens ont faites dessus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont passé des heures à travailler sur voilà tout ce qui s'est fait. Et là, il y en a une qui a été faite, ça tombait bien en 2015, Sprung, et ils ont compilé l'ensemble des études, ils ont été très sélectives. Au final, il y en a beaucoup moins parce que c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Il y a plein de problèmes organisationnels. Voilà, c'est très compliqué. Et puis, je vous ai fait un petit tableau des principales études. Et puis, voilà, vous voyez, alors, il y en a qu'on fait de 3 à 5 ans, de 4 à 7 ans, 5 à 8 ans. Là, ils racontent le type de tests qui sont utilisés pour mesurer. Le nombre de séances, vous voyez, ça peut faire une séance à 27 séances, vous voyez, les trainings. Il y en a qui c'est en groupe, d'autres c'est en individuel. Est-ce que vous mesurez les effets à court terme ou à long terme? Vous voyez, il y a tout un tas de paramètres, parce que du coup, là, vous voyez bien que vous êtes extrêmement contraint
par les paramètres du système scolaire. D'accord ? Donc, voilà. Donc, en tout cas, eux, quand ils compilent toutes ces affaires-là, et ben, ils montrent que c'est possible d'entraîner ces compétences émotionnelles. Ça a l'air jouable. Et on arrive à faire bouger en quelques séances ces compétences chez les enfants. Alors, nous, par exemple, on a fait ça. Alors, ça, c'était il y a un petit peu longtemps, 2015, oublié, à Canterel. Et du coup, on avait fait, on a essayé de proposer ça à des enfants de 6 à 12 ans. Donc, école primaire, pas maternelle. Et puis, on a essayé de fabriquer ça avec des groupes d'enseignants volontaires. Et il fallait que le programme soit intégré dans le cursus scolaire. Parce qu'il fallait aussi que le... vous voyez, quand vous dites que vous travaillez sur les émotions, à l'époque, ce n'était pas forcément bien vu, entre guillemets, à l'école, en disant, mais est-ce que c'est le job de l'école de travailler là-dessus ? Vous voyez ? Donc, pour que ça soit accepté et acceptable, nous, on reliait toujours compétences émotionnelles et apprentissage scolaire. Parce que du coup, les parents, ils doivent donner une autorisation, ils ont raison. Hein, donc, il y a un comité d'éthique et tout ça. Donc, il a fallu faut trouver quelque chose qui puisse s'intégrer dans le cursus scolaire et qui s'implémente de façon raisonnable dans l'environnement du système scolaire français. Là. Et au final, vous voyez, on a pu proposer. Donc, du coup, on a fait l'ensemble du niveau primaire. Donc, on a fait un appel à un ensemble d'enseignants de plusieurs écoles. Donc, au final, vous voyez, on a pu au final récolter 232 enfants qu'ont eu le programme entièrement, c'est-à-dire qu'on fait des pré-tests, qu'on fait toutes les séances, sauf une, je crois, on avait le droit à une absence, et puis tous les post-tests. Oui, donc ça veut dire que l'enfant, vous l'avez sur l'année. L'idée, c'était que, du coup, on a appelé ça l'atelier émotion et apprentissage, parce que c'était toujours pour relier à l'école, parce que c'était le truc qui était accepté à l'époque pour pouvoir travailler en école là-dessus, pour pas, vous voyez, parce que si vous prenez des heures sur le programme, il faut que quand même vous puissiez, l'enseignant, il doit pouvoir justifier ça au niveau des parents, il faut que lui, ça corresponde, qu'il coordonne avec ses différentes activités, parce que par ailleurs, au CP, il y a la lecture, les maths et tout ça. Oui. Les contenus, on a essayé de faire vraiment ce qu'on appelle du design participatif, c'est-à-dire, ou une recherche collaborative, on peut dire ça aussi maintenant, c'est-à-dire que c'est à nous. Nous, on est arrivé avec une formation d'enseignants où on propose une orientation théorique, comme je vais le faire cet après-midi. On raconte, voilà ce qu'on sait dans la littérature, voilà sur quoi il faudrait travailler. Mais après, comment vous allez le mettre en œuvre en classe ? Là, on fabrique avec les enseignants. Ça, vous verrez tout cet après-midi, je vais vous donner un exemple de ce qui est planifié et discuté avec le groupe d'enseignants qui participent au projet et qui fabrique les séances et que ça corresponde à ces contraintes institutionnelles et locales. Parce que vous ne pouvez pas arriver avec un programme en disant, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ça ne marche jamais, parce qu'en fait, en général, les gens, ils ne font jamais ce que vous avez dit de faire, parce qu'ils ont tout un tas d'autres contraintes, ou ils vous disent qu'ils le font, mais en vrai, non. Et du coup, ça ne se passe jamais, voilà, on ne sait jamais comment ça s'implémente pour de vrai. Donc, il faut forcément prendre part, vous pouvez prendre forcément en compte tous ces paramètres. Par exemple, si vous voyez, ce n'est pas du tout pareil si vous avez des classes multiniveaux ou un seul niveau, si vous êtes en ZEP ou au fin fond de la montagne, en haut de la Savoie, ce n'est pas du tout les mêmes. Voilà, si vous avez des poutres pour faire un parcours motricité versus pas parcours motricité, vous voyez, les conditions scolaires font que ce n'est pas possible d'appliquer strictement le même programme. Donc, chaque fois, avec le groupe d'enseignants volontaires, on fabrique et on se met d'accord sur ce qui est possible pour les 33 qui participent. On travaille ensemble, on fabrique pendant une année le programme et on dit, ça c'est jouable, je vais pouvoir le faire dans mon école. Bon, c'est comme ça qu'on a fabriqué. Donc vraiment, le contenu des ateliers, il est vraiment créé à la fois par les chercheurs et puis les enseignants. Par exemple, là, le projet qu'on a sur Chambéry, hier, il y a eu toute une journée où on a travaillé avec les enseignants et puis à débriefer, fabriquer les séquences et choses comme ça qui sont implémentées en classe et pour que ça soit réaliste. Voilà, et puis nous, ce qu'on fait aussi, c'est que, après, évidemment, tout ce qui est fabriqué est mis à disposition des autres enseignants. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on compare avec un groupe contrôle, c'est-à-dire avec un autre groupe qui fait autre chose ou qui fait l'école ordinaire, comme d'habitude. Et puis, l'idée que nous, on s'en fiche du niveau. Nous, ce qu'on veut mesurer, c'est le progrès entre le début et la fin de l'année. Est-ce que ce progrès va être plus fort pour ceux qui auront eu le programme versus ceux qui n'auront pas eu le programme ?
Et donc là, au final, vous voyez, quand on a fait des discussions, les enseignants, ils ont dit, mais nous, en fait, on ne pourra pas faire plus que 6 à 8 séances en tout, d'une heure. On ne pourra pas faire plus sur l'année. Donc, on s'est mis, ça ne sert à rien de dire, on va faire 50 heures. En fait, ce n'est pas possible, compte tenu de tout ce qu'ils doivent faire aussi. Donc, au final, on a dit, bon, bah, OK, alors on va faire 6 à 8 séances. Voilà. Et puis, vous voyez, pour vous ayez une idée, en général, en septembre-octobre, vous lancez les lettres aux parents. Après, les enseignants expliquent aux parents ce qu'on va faire comme projet. Les parents donnent leur autorisation ou pas, ou discutent, ou appellent, tout ça. Puis après, les vacances de Toussaint, on rentre en phase de pré-test. Donc, on doit tester tous les enfants les uns après les autres. En général, c'est donc juste avant Noël. Donc là, ça dure un mois ou deux. Donc, il faut chaque fois prendre les enfants les uns après les autres. Voilà. Et en général, le training commence en janvier, jusqu'aux vacances de Pâques. Et puis après Pâques, on refait le post-test et on mesure, on refait passer les mêmes tests pour savoir, pour mesurer le progrès. Voyez un peu le design de l'année. Voilà, donc c'est pour ça on fait 6 à 8 séances, ça dépend des années, si les vacances sont tôt, pas tôt, et puis tout ce qui va se passer dans une année. Voilà. Mais c'est globalement ce qui se passe sur l'année. Raisonnablement. Après, à partir de mai-juin, on ne peut plus aller en classe parce qu'ils sont submergés par les contraintes d'école. Voilà. Et autres. Et puis, alors voilà, donc on a fait tout un tas de. Donc on essaie de mesurer les résultats individuels. Voilà. Et puis voilà, au final, on a réussi à obtenir 232 enfants parce qu'il y a beaucoup d'absences quand même. Les grippes. Donc du coup, comment on fait dans les ateliers par petits groupes quand les enfants ne sont pas là. Donc voilà, donc faut tout noter. Parce qu'au début, je ne sais plus combien il était, mais il y avait beaucoup plus d'enfants. Et au final, entre ceux qui ont des mesures spécifiques, ceux qui ne viennent pas, ceux qui ont déménagé, ceux qui ont. Vous voyez, entre le début septembre, juin, y a la variation, on va dire. Voilà. Et puis, alors, ça, c'est, voilà, je vous fais un petit résultat. C'était que c'était intéressant. Nous, on s'intéresse qu'au progrès. Hein. Ce n'était pas du tout l'objectif de mesurer le niveau général. Ce n'était pas notre importance. C'était vraiment début, fin d'année. Donc, on a mesuré l'amplitude du progrès. Voyez, donc, et du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'on a, en 6-8 séances, on a réussi à trouver un progrès significativement plus fort que pour le groupe contrôle, puisque là, globalement, voyez, le groupe contrôle, il ne progresse pas du tout. C'est-à-dire que si on ne travaille pas explicitement sur les émotions, les enfants, ils sont 6 mois après, ils sont au même niveau que 6 mois avant, sur nos tâches à nous, s'il n'y a pas un travail explicite dessus. S'il y a un travail explicite, on arrive à gagner quelques points, c'est-à-dire à faire reconnaître quelques émotions supplémentaires. Oui, donc c'était significatif, mais c'était très intéressant, c'est que ça marchait beaucoup chez les tout-petits. Donc, alors peut-être que nos tâches, elles n'étaient pas assez fines, mais ça veut dire que les enfants, les 6-7 ans, ils répondaient bien à nos entraînements de 6-8 heures. Et donc, on s'est dit, tiens, ça c'est vraiment un signal qu'on peut descendre plus bas. Et parce que ça réagissait mieux, et puis que les petits, en 6-7 séances, c'était assez simple d'aller expliquer. Alors après, je vous raconterai comment on travaille sur identifier les émotions, comprendre les émotions, réguler les émotions, avec tout un tas d'exercices sur le son, la vision, les visages, les choses comme ça. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est possible explicitement de travailler là-dessus. Du coup, on s'est dit, c'est pas mal, ça réagit bien. Donc, à Genève, on va aller voir du côté crèche, si c'est possible de travailler là-dessus. Et puis, donc là, du coup, on a l'Université de Genève à 4 crèches. Il co-finance des crèches, en fait, pour à la fois ses étudiants et pour les gens du quartier, de la ville. Et donc, on travaille en collaboration étroite avec ces établissements-là. Donc, on est allé fabriquer des ateliers sur les compétences émotionnelles, mais dans les crèches. Alors ça, c'était ce qu'on a fait sur Genève. Et puis, en Savoie, du coup, on a lancé cette opération depuis 2-3 ans et puis qui a été interrompue à cause du Covid parce qu'on a c'était interdit d'accéder aux écoles. Puis là, c'est relancé cette année. Donc, je ne peux pas vous proposer des résultats, mais j'en aurai bientôt. Mais en ce moment, du coup, il y a il y a plus de 500 enfants qui sont dans la boucle, donc répartis sur tout le territoire de la Savoie, globalement Savoie. C'est une recherche collaborative avec des collègues de Nathalie, donc Nathalie Dalla-Libera, c'est la CPC responsable maternelle d'éducation de Savoie, donc du
ministère de l'Éducation nationale. Et puis, il y a Carole Berger et Anne Laffey qui sont des maîtres de conférences à l'Université de Savoie et on travaille ensemble. Et ce qu'on appelle sous forme l'EA, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des... une structure organisationnelle qui permet d'aider à faire les liens entre la recherche et l'enseignement. Ça donne un peu des sous aux enseignants, en résumé. Voilà. Depuis le début de l'année, eh bien, on se voit régulièrement et on fabrique des séquences. Et là, ils sont à la séquence 3-4 qu'on va travailler cet après-midi ensemble, où ils sont à travailler. Donc, première séquence, identifier ses émotions primaires, donc comme on a fait tout à l'heure. Donc, on a fabriqué le matériel. Après, la séquence 2, ça va être comprendre ses propres émotions, identifier les émotions sur autrui, vous voyez, progressivement, comprendre les émotions d'autrui. Et après, on va progressivement, il y a le matériel, la mise en commun et des séquences qui sont adaptées au public 3-5 ans dans le contexte des écoles en Savoie, donc beaucoup d'écoles rurales multipivot. Voilà. Et puis, il y a l'expression des émotions. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui ont été faites. Et puis, voilà. Et donc, les pré-tests ont été faits en début d'année. Là, en ce moment, ils sont en train de fabriquer. Séquence 3-4. Donc, il y a 6 séances pour... Vous voyez, là, on a fait plus fort cette année. Séquence 1, il y a 6 séances sur l'identification des émotions. La compréhension, 4 séances, 3 séances, 3 séances, 3 séances. Et puis là, jusqu'à Pâques, on déroule. Et puis, à partir de Pâques, on retourne dans les écoles, faire passer les post-tests. Et puis, normalement, les écoles ne devraient pas fermer. On devrait pouvoir retourner dans l'école. Et du coup, voir, on pourra vraiment identifier s'il y a eu un progrès, la nature du progrès, le lien avec les compétences à la fois en mathématiques. Et puis, cette année, on a mesuré aussi le vocabulaire. Et donc, on verra sur quelle dimension ça joue ou pas. Vous voyez un peu le voilà. Normalement, j'aurais dû vous présenter des résultats, mais on a eu une interruption de programme, puisque du coup, on ne pouvait plus aller aux écoles. Voilà. Donc, voilà. Et puis, sachez que par ailleurs, mais ça, vous verrez cet après-midi avec le groupe, il y a une autre phase. Vous voyez, là, on travaille directement sur les émotions, explicitement. Et puis, il peut y avoir d'autres façons de travailler sur les émotions, et ça, je vous raconterai cet après-midi, par exemple, en travaillant sur le jeu du faire-semblant, où je vous montrerai tout un tas de programmes qu'on fait dans le Valais avec Sylvie Richard, où elle travaille explicitement sur le jeu du faire-semblant et comment ça améliore du coup la compréhension des émotions chez les jeunes enfants. Voilà. Et puis, le dernier point qui m'intéresse particulièrement, c'est l'implémentation. Vous voyez, on fait des programmes, les chercheurs développent des outils, mais comment on implémente en vrai dans les classes et comment l'implémentation perdure une fois que le chercheur est parti? Vous voyez, comment être sûr de ce qui se fait en classe? Parce que soit vous faites à petite échelle, vous contrôlez tout ce que vous faites, mais en fait, ce n'est pas réaliste, parce que vous ne serez plus là après. Donc, comment on fait pour implémenter les programmes à grande échelle et puis que ça reste? Il y a tout un tas de recherches qui montrent que, par exemple, quand on passe du labo à l'implémentation, ça ne marche plus. On n'y arrive plus, en fait. Il y a des trucs qui marchent à petite échelle. Dès qu'on les met à grande échelle, c'est terminé. Donc, on a un vrai souci de comment implémenter, comment accompagner les gens pour que ça perdure dans le temps et que ce ne soit pas des effets psychosociaux que vous connaissez bien. Du moment que je fais une expérience, je suis content et tout le monde est content. Et puis, dès que l'expérience est finie, c'est fini. Vous voyez, donc, il y a un vrai souci. Donc là, je vous mettrai aussi le lien. C'est un chapitre qu'on a écrit pour cette mesure. Ça s'appelle les sciences de l'implémentation maintenant, pour essayer de savoir comment on implémente et que ça tienne et que les professionnels puissent s'approprier des outils qui sont développés par la recherche. Donc, il y a un petit article là qui s'appelle « Apports et limites des recherches interventionnelles ». Vous voyez, ces recherches interventionnelles, c'est très positif pour étudier le lien causal, mais il y a plein de limites. C'est comment être sûr que les gens ont fait ce qu'on a dit, qu'ils ne modifient pas, que ça perdure dans le temps et choses comme ça. Voilà. Et je vous mettrai le PowerPoint. Vous verrez, on a fait un petit article exprès pour les enseignants en mathématiques et puis les enseignants en primaire sur justement les émotions et les apprentissages chez les élèves. Et j'ai mis en accès libre, vous pourrez tout télécharger, tout est accessible. Et j'arrête là, et je réponds aux questions, et merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que vous voulez que j'arrête le partage? Oui, on peut arrêter le partage à ce moment-là. Et alors, j'ai un peu de place. Ouais. Parfait.
Ouais. Et donc, du coup, il y a… N'hésitez pas. Alors, pour le lien, le replay, le PowerPoint, etc., tout sera disponible sur le site de la MSHA. Comme à chaque fois, vous retrouvez toutes les conférences qui vous quand on a l'accord des intervenants. Alors, vous avez l'accord, vous avez tout. Donc, parfait. J'avais entendu que… Alors, on a une question en ligne sur… Le travail et puis comment expliquer aussi la situation actuelle qui génère beaucoup d'émotions chez les enfants, notamment en lien avec les conflits armés. Voilà, peut-être que tu as des éléments de réponse à nous apporter. Oui. Alors, voyez, pendant qu'on faisait ce travail, voyez les travaux d'implémentation. Ben, vous êtes les enfants, ils sont pas en dehors du monde parce que pendant qu'on a fait ce travail d'implémentation, il y a eu la pandémie. Et donc, on a intégré dans le programme, par exemple, le coût des masques. Et puis, il y a eu des discussions là-dessus. Donc, voilà. Donc là, maintenant, je ne sais pas. Alors, dans le programme, ce n'était pas prévu de parler de la guerre, évidemment. Hein. Donc, du coup, là, il va y avoir… je ne sais pas ce qu'on va décider de comment on va intégrer ça dans le programme. Vous voyez, parce qu'on est obligé d'en parler, parce que forcément, ils vont en parler. En même temps, on se dit, mais est-ce que ça va… Vous voyez, on a des contraintes scientifiques de comment ça va perturber notre programme. Voilà. Mais bon, chaque année, il y a un truc nouveau. Donc, on s'habitue. Donc, voilà. Donc, bon. Alors, voilà. Après, cette capacité, justement, à identifier et à exprimer les émotions, eh bien, ça va être tout à fait le bon moyen de le mettre comme un sujet par rapport à la guerre. Est-ce que disent les parents aux enfants? Est-ce que du coup les enfants répètent en classe? Et là, du coup, ils vont pouvoir utiliser les mêmes outils que ce qu'on a proposé dans l'entraînement. Simplement, le contenu, ça sera ce que vont raconter les enfants sur ce qu'ils ont entendu, vu. Parce que là, il y a aussi d'énormes variabilités. Il y a des gens qui sont hyper… Tout le monde est à peu près au courant, mais le degré d'information et d'accès, par exemple, aux vidéos ou pas, c'est très variable selon les familles. Donc là, les enseignants, évidemment, ils vont devoir fabriquer quelque chose en fonction du public qu'ils ont. On va pouvoir peut-être même utiliser les mêmes outils, les mêmes jeux, les mêmes choses comme ça, mais ce sera avec le thème de la guerre. Et donc, du coup, ce sera de toute façon très difficile de ne pas en parler. Le tout, ce sera de comment vous allez en parler. Et donc, si… les enseignants, dans la classe, depuis le début de l'année, ils ont l'habitude de faire parler les enfants de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils expriment, de ce qu'ils perçoivent à partir d'images, d'albums, d'actualités, ça dépend de tout ce qu'ils ont mis en œuvre. Cet événement-là d'Ukraine sera l'input qui va générer ou pas les émotions. Mais je ne peux pas vous dire maintenant comment faire, parce que ce n'était pas du tout planifié dans le programme, évidemment. Mais de toute façon, ils vont pouvoir appliquer toutes les procédures qu'ils ont instaurées en classe. Voilà, après, je pense à des événements. Hein, le Covid, c'était un thème. Il y a eu, je ne sais pas, s'il y a 50 classes, il y a toujours des événements. Là, nous, on était dans une classe à la Genève, c'était l'enfant… qui est décédé au ski. C'était l'école où on allait. Ça a chamboulé entièrement l'école. Vous voyez, forcément, dans les écoles, c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer tel quel les programmes comme ça, parce que ça se déroule jamais. Il y a toujours des événements qui arrivent. Donc après, c'est de trouver les outils, les réponses que d'habitude… Vous voyez, si par exemple l'école, ils n'ont jamais parlé d'émotion pendant des mois, puis que ce n'est pas un thème et que c'est quelque chose qui n'est pas dans le sujet de préoccupation, du coup, là, ça va être… il est possible que ce soit un peu submergé de comment gérer ça. Si maintenant, il y a de l'habitude depuis le début de l'année dans les classes de parler des émotions, de dire ce qu'on a ressenti en fonction des différentes situations, j'ai peur du Covid, du masque, du coup, ça devient une routine de discussion. Donc, on peut imaginer que c'est plus facile pour les enfants s'ils sont habitués à discuter de ça avec leur enseignant. Et pareil pour les enseignants, parce qu'après, vous verrez dans l'article que je vous ai proposé, c'est que non seulement on pense que ces trainings sont très importants pour les enfants, mais que c'est très important pour les adultes aussi. Parce que si vous, évidemment, d'ailleurs, c'est ce que racontent les enseignants, c'est qu'à force d'appliquer le programme depuis 2-3 ans, en fait, eux-mêmes améliorent leurs propres compétences émotionnelles. Voilà, donc ça sera plutôt un effet, vous voyez, effet secondaire bénéfique, pas du tout anticipé.
Donc, voilà. Et donc, on n'aura pas mesuré, on n'aura pas… voilà. Mais en tout cas, c'est des choses qui vont être là, ils vont forcément. En tout cas, vous savez que par ailleurs, il y a tout un tas d'articles dans Conversation et tout ça qui sont sortis sur comment parler de la guerre aux enfants. Je sais pas, mais je pourrais vous indiquer des liens sur PowerPoint que je rajouterai, mais il y a des trucs très intéressants qui sont sortis là il y a 2-3 jours. Et chaque mois, c'est ce que je donne aux étudiants quand ils vont faire les entretiens avec les enfants, parce que c'est forcément un thème qui va être abordé dans beaucoup, chez beaucoup d'enfants. La conversation. Ah oui, c'est une revue scientifique, enfin pas scientifique, mais quasi scientifique. Enfin, qui est documentée et écrite avec des scientifiques, on va dire. Et je vous enverrai le lien. Oui, alors, il y a une question. Du coup, vous parlez fort, puis je répète, comme ça les gens entendent, c'est ça? D'accord, merci. Déjà, merci pour votre présentation. Et moi, je m'interrogeais justement sur l'effet du masque. Alors, vous avez parlé de l'effet COVID anxiogène, voilà, mais de l'effet sur les compétences émotionnelles, parce que là, on a quand même 2 ans de masque pour des enfants, c'est énorme, et vous avez insisté sur toute cette importance, hein, des traits identifiés, notamment à l'extérieur, puisque l'accès au visage pour même des proches, mais par extension, je vous dis comment... Alors, bon, cet après-midi, j'ai prévu quelque chose d'approfondi, mais pour nos collègues qui ne sont pas là, alors, on vient de faire une revue de questions sur, qui est en accès libre dans MAE sur... Que dit la recherche sur les effets du masque sur la perception des émotions? On vient juste de le publier, c'est exprès au grand public. Alors, globalement, il y a un effet. Alors, il y a déjà peu d'études. Les 4-5 papiers qui sont sortis de par le monde montrent qu'il y a une baisse de performance, c'est-à-dire que les enfants, les adultes et les enfants reconnaissent moins bien les émotions que quand il n'y a pas de masque, c'est logique, puisque du coup, j'enlève des infos. Mais ce n'est pas catastrophique. Il y a une chute. Mais ils se débrouillent quand même parce qu'il reste les yeux, il reste les indices, il reste la voix, il reste le corps. Et du coup, c'est moins bon, mais les enfants se débrouillent quand même. Voilà. CF détaille l'article que je vous mettrai du coup en lien, qui est entièrement disponible. Et puis cet après-midi, je vous présenterai en détail les recherches parce qu'elles présentent tout un tas de limites. Elles ont été faites à distance, Qualtrics pendant la pandémie. Voyez. Mais bon, les chercheurs, évidemment, il y a plein de gens qui ont travaillé dessus. Nous, on a fait, par exemple, dans les crèches, parce que ça, on a fait tout de suite quand il y a eu la pandémie, le personnel s'est beaucoup inquiété. Alors, nous, on a fait ça, par exemple, on a pris des bébés, puis on leur a fait passer on présentait des visages, mobiles, pas mobiles, tout ça, et puis on mesurait leur mouvement oculaire avec un eye tracker, comme on dit. Et puis, en fait, on s'est aperçu que les bébés de 9-10 mois, ils étaient super forts pour aller repérer ce qui restait. Voilà. Du coup, on a fait tout un tas d'ateliers, de conseils avec les crèches pour dire, ralentissez la façon dont vous parlez, exagérez les intonations, essayez de maximiser tout ce qui reste comme indice, sachant qu'il faut se dire que les bébés et les enfants, ils ne sont pas tout le temps avec des gens avec des masques. S'ils vivent dans la vie familiale, il n'y a pas de masque. Voilà. Il y a eu des fois, il y a des gens qui carrément ont fait des petits exercices. Parce que là où il y a le plus d'effets négatifs, en fait, c'est sur la lecture labiale, donc pour ceux qui apprennent à parler. C'est sur tout ce qui est compréhension orale. Là, on a montré justement que, par exemple, si je vous présente un mot comme ça, puis je dis à l'enfant, découpe les syllabes, les phonèmes, et puis vous faites la même chose, mais simplement vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire, donc lecture labiale versus pas lecture labiale. Là, il y a une chute de performance. Si vous n'avez pas ces indices-là, notamment pour les enfants en grande difficulté, qui ont le plus de difficultés à lire. Donc ça, c'est un autre article qu'on a publié là, il y a 2-3 mois, avec justement ceux qui avaient des susceptibles d'avoir des problèmes de lecture. Alors du coup, là, cette information labiale, elle était essentielle et elle était très importante. Du coup, on a conseillé à faire des exercices dans des mesures sanitaires raisonnables où on apprenait aux enfants à distinguer les syllabes, les phonèmes de chaque mot, et puis qu'ils utilisent ces indices-là pour essayer de décoder les sons. Mais il y a 2 niveaux, hein. Il y a le langage oral et puis il y a les émotions. Donc, c'est 2. Donc, en résumé, émotion, c'est moins bon, mais ils y arrivent quand même. Langage oral, ça affecte, et notamment ceux qui ont des difficultés au départ. Donc, il faut trouver des astuces ou proposer des exercices aux parents pour que le soir, ils réentraînent cette capacité-là. On a des questions en ligne. Une question de Julia qui nous demande est-ce que les compétences émotionnelles sont aussi sensibles à la classe sociale comme peuvent l'être les compétences langagières, par exemple? Alors, dans nos recherches, on n'a pas pu mesurer ça. Donc, forcément, ça doit l'être un peu. Ça dépend de ce qui va être mesuré dans les compétences émotionnelles.
Par exemple, si vous faites les mesures de compétences émotionnelles et que vous demandez une tâche de vocabulaire, vous voyez, si c'est des tâches perceptives vraiment qui ne sollicitent pas de compétences, par exemple, linguistiques, ben, on peut faire l'hypothèse que c'est moins impacté. Mais si c'est des tâches où il faut trouver le bon mot ou donner une explication ou raconter pourquoi lui, il est dans telle émotion, ben là, du coup, automatiquement, on va avoir un effet niveau socio-économique. Mais dans les recherches que nous, on a récoltées, on n'a pas mesuré ce facteur parce qu'en fait, on a une, par exemple, à la Savoie, on a fait un appel d'offres à toutes les écoles et puis on a pris les enseignants qui étaient volontaires. Et on n'a pas fait des études par strate de classe sociale et tout ça, on a pris ceux qui étaient d'accord. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez l'impression sur le terrain d'avoir plus de personnes d'une classe sociale particulière ou pas du tout sans question? Non, alors, les enseignants, ils ne racontent pas ça. Mais c'est pas, vous voyez, ça c'est une intuition. Donc en fait, en vrai, j'en sais rien. Ce qu'il faudrait, c'est récolter un bon questionnaire, savoir le niveau, vous voyez, déjà mesurer qu'est-ce que c'est la classe sociale. Alors ça déjà, c'est un débat. Mm-hmm. Quel indicateur je vais prendre? Quelle langue parler à la maison? Ben, vous voyez, déjà ça c'est un débat en soi d'avoir une mesure. Et puis il faudrait que du coup je puisse récolter ces informations-là chez les parents, niveau d'études, formation, tout ça. Et puis je vois si c'est un lien avec nos performances à nous. Et ça, on ne l'a pas fait. On prend peut-être une dernière question dans la tête, si jamais il y en a une. Ouais. J'ai une question sur le côté culturel. Est-ce que dans toutes les cultures, on a les mêmes indices Alors, ça, cet après-midi, je vais traiter du caractère universel ou pas des émotions. Et ça sera une réponse. Alors, il y a deux façons de répondre. C'est soit d'aller étudier dans les autres cultures. C'est ce qu'ont fait des collègues, et puis montrer que... Alors, il y a certaines émotions que tout le monde reconnaît, quelle que soit la culture, entre guillemets, d'autres non, qui sont modulées par la culture. Et une autre façon d'aller voir, c'est les aveugles de naissance. Vous voyez, ça c'est vraiment l'argument, c'est de dire un aveugle de naissance qui n'a jamais rien vu, comment il produit ses émotions, est-ce que c'est la même chose que nous? Voyons. Et réponse cet après-midi. Et sinon, c'est dans Conversation, il y a un article sur les aveugles. Expriment-ils les émotions comme les voyants? Juste autre chose, les Québécois parlent de compétences socio-émotionnelles. Oui. Rajoute pas en plus. C'est toute. Alors là, vous voyez, là, on a centré, parce qu'on ne peut pas tout faire, là, on a vraiment centré que émotions. Après, socio-émotionnel, bah, vous allez mettre d'autres compétences sociales qui vont être travaillées. Vous pouvez mettre la coopération, toute la chose comme ça. Et ça, c'est. Mais vous voyez, si vous faites ça, bah, vous rajoutez des séances. Ouais. Donc, voilà. Il faut faire des compromis pour qu'on soit accepté en classe et que les gens acceptent d'appliquer le programme. Je ne peux pas dire vous arrêtez tout puis on va faire ce qu'on veut. Il y avait une demande si jamais tu as des liens ou des références sur compétences émotionnelles et prévention des addictions. Oui, alors il y a bien sûr. Alors là, c'est chez les plus âgés. Moi, j'étais centré enfant. Mais évidemment, il y a tout un tas d'ouvrages que je cite, vous verrez, sur les compétences émotionnelles. Et puis, alors là, en psychologie de la santé, là, il y a beaucoup de choses sur les adolescents, tout ça. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Là, moi, j'étais vraiment centrée sur les petits, hein, d'accord? Vraiment, parce que ça, c'est peu étudié. Et c'est quelque chose en ce moment, on se dit qu'il y a un créneau, parce qu'ils réagissent bien et c'est efficient. C'est-à-dire que c'est pas efficace. C'est non seulement efficace, mais efficient. C'est-à-dire qu'en peu de séances, on a des effets rapides. Ça veut dire que ça vaut le coup de travailler dès le plus jeune âge. Une petite question, voilà. Au début de l'intervention, qui était vraiment passionnante, tu as évoqué la méta-analyse, donc effectivement sur les liens entre les compétences émotionnelles et puis les performances académiques, mais je n'ai pas intercepté l'information qui démontrait l'effet d'intervention. Ah, ils n'en parlent pas. Mais est-ce que ça existe? Ah oui, le Spring dit oui. D'accord. Spring. Ce n'est pas l'intervention sur les émotions, c'est sur les performances académiques. Non, alors non. C'est ce que nous, on fait. C'est ça, c'est en cours, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Non. C'est quand même l'argument de vente auprès des écoles. Absolument. L'argument de vente, ça a été l'étude longitudinale, en disant, voyez, on arrive à faire monter les émotions, il y a un longitudinal, donc si on monte les émotions, on devrait augmenter vos performances. C'est ça qu'on est en train de vous... C'est ça qu'on voudrait montrer. Mais voilà, pas de Covid, j'aurai des résultats. Oui, non, mais non.
Et là, voilà. Mais de toute façon, ce sera des micro-résultats. Hein. Ce n'est jamais miraculeux, on est d'accord. C'est toujours on gagne un point ou deux, des choses comme ça. Hein. Dès qu'on travaille en école, dans des situations complexes, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est chaque fois un petit effet significatif. Et voilà. Merci encore, Edouard, pour cette conférence passionnante et très merci utile à vous. Pour les professionnels et pour les étudiants. Donc, on sera ravis de vous retrouver au mois de juin. C'est le 16 juin, la prochaine conférence Feel Good avec Aurélie Crétin, qui travaille aussi sur les émotions, mais donc elle est psychologue clinicienne et elle a développé beaucoup d'outils sur comment accompagner les émotions de l'enfant. Donc, quand l'enfant est en difficulté, comment on peut l'aider, plus autour de la régulation des émotions que la reconnaissance, on va dire que c'est la première étape. Et la dernière étape, c'est comment on régule ensuite ces émotions quand elles sont très envahissantes. Donc, merci pour toutes vos questions et puis à très bientôt pour la suite. Merci.